le troisième jour à Bordeaux avec Jadour. My baby, I like you. Deux jours et demi, pardon, oui, c'est vrai. 13h40 et nous allons aller faire une magnifique balade avec Saphir. J'ai la chance de monter Saphir et Jade va courir derrière du coup nous. Faire du vélo. Ça sera mon destrier. Et je dirai à boire Jacouille. C'est ça. Et je suis très excitée, j'ai vraiment hâte. Jade m'a dit que c'est 100% safe en balade, oui. Et que peut-être je le montrerai en carrière plus tard ce week-end. Que par contre en carrière je ne saurais pas le monter. Apparemment il est tellement spécial, mais ça c'est parce qu'elle a jamais monté Goldie. Parce que tous les chevaux sont spéciaux, Jade. Oui mais non, parce que moi j'en manque beaucoup des chevaux et ouais. Si je monte avant et que je vous le mets un peu comme il faut, ça va aller. Sinon on va rire. Ouais, on va. Il y a Mareva aussi. Ouais, il y aura peut-être Mareva du coup. Si vous avez envie. Après, dans tous les cas on n'est pas obligé d'aller avec eux, on peut très bien le monter. Waouh. Un vélo encore charmante. Et il fait beau. Bon, il est pas hyper chaud, mais il fait Il fait 12 degrés, moi j'ai chaud là. Oui, non, c'est vrai. En fait, moi je devrais être en t-shirt vu qu'à Strasbourg il fait très froid en ce moment. Ça arrive, t'aurais peut-être faire une petite story pour me la péter un peu là. C'est vrai. Une bonne idée. J'ai jamais vu quelqu'un qui a attelé aussi bien un jour. Oui, mais je le sors 3 fois par semaine, le jour j'ai tout. T'es folle. Franchement, je t'aime bien. Ah non, regarde, il vient, coucou. Il vient sentir ce qu'il sait. Ou alors il sait qu'il va me porter et du coup il est content. Ouais, c'est bizarre. Mais non, j'ai de la carotte et de la pomme. Ah, il a senti ça. La beauté. T'as pas entendu les leçons de Jean-François Pignon hier? Il ne faut pas dresser son cheval. Moi, je l'achète à la carotte, surtout à la pomme. Moi, je vais faire plaisir à mon cheval et il m'aime et je l'aime et je lui donne à manger. Anthropomorphisme à 200%. Oui. Là, tu crois qu'il a une pour la carotte ou pour moi? Mimi. Regarde, il est là. Mimi. Ghost et Mirabelle, on est là. Où est Safou? Ah bah, pas Safou, Quantum. Bah oui, il est où? Il fait la sieste au soleil. Tu attends, toi? Là. Ah si. On laisse les poules tranquilles. Bibi, les poules, c'est non. Allez, attends. Mais oui, ça marche trop bien. Enfin, oh, Quantum. Ça va pas bien, hein. Il a vu la Vierge. Meuf, t'as laissé les carottes sur la voiture? Bah oui, Anna. Mais faut les donner au poney. Faut les donner au poney quand même. Bonjour. 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 Ah, j'ai réussi à avoir un bisou. Ouais, mais profite, il a l'air si heureux. Ah, mais c'est parce qu'il sait que je vais le monter. Non, tu ne passeras pas. Non, Bibi. Tu vois, ça dit le mot qu'il ne fallait pas. Ça, ça pourrait être une bonne vidéo aussi, ça. Wow. Non. Non. C'est pas de coup que Pignon a dit hier soir. Pignon, il a dit, on passe la fête comme ça. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis le licorne de Saphir. Qu'est-ce que ça fait? En plus, toi, t'as eu un coup de langue. Je te laisse le coup de langue, y'a pas de soucis. Ça commence bien, Jade, elle a perdu le licorne de Saphir. Tu trouves? Eh, hey, cordelette, hein. Non, 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 non. Bah, ça c'est pas Univers, je montre les gosses, je dirais tu peux partir encore. Ouais. Mais Univers, soit il va être hyper mignon et il y a pas de problème, soit il va être complètement cinglé et j'ai pas envie. Après, il est dressé, hein. Moi je suis pas dressée à la cordelette. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose d'important. J'ai fait une fois de la cordelette, genre j'en ai fait 15 minutes sur le cheval d'une copine et j'arrêtais pas de tirer la cordelette en fait pour m'accrocher. Bah, alors. Tire, il s'arrête. Oui, voilà, c'est ça. Alors que normalement si tu tires, tu t'arrêtes quoi. Donc. Il est câlin quand tout ment. Ou pas. Tenez ma petite dame. Merci mon petit monsieur. Saf Saf, tu vas être gentil avec moi? Tu vas être gentil? C'est moi qui devrais lui donner pour... Achète-le. Tu seras gentil avec moi. Hop. Même quand on connaît pas, ça marche. Ouais. Bon, je t'avoue que je pensais qu'il prendrait... Ah oui, lui il veut tout mettre sur la caméra. Je t'avoue que je prendrais qu'il... Je pensais... Mais... C'est fou. À moi. J'ai peur pour mes mamies. C'est peut-être de ça qu'il parlait, JF Pignon. C'est très mignon, cool. Mais avec ou sans bon bec, hein, il est collant. Bon, attends, on va préparer les affaires. La salle. Ouh, c'est mignon les chevaux. J'ai posé une question cruciale à Julia, enfin que moi je trouve cruciale. Et elle se fout de ma gueule. Je lui ai dit, en quelle couleur tu veux te mettre avec sa fou? Mais moi, c'est un vrai challenge. Hein.
Genre, une vraie question existentielle. Tu pars toute seule en balade? Bah bien sûr, je regarde toujours comment je suis habillée. Les arbres, ils vont vraiment te regarder. C'est une philosophie de vie. Et du coup, en plus, j'ai pas eu ma réponse, du coup. Je n'ai pas d'avis, je m'en fous. Je suis en marron délavé, très délavé. Alors, c'est pas marron, on est d'accord que là, c'est violet. Oui, mais à la base, il est marron. Oui, mais il est devenu violet. Choisis, je m'en fous. Parce qu'en fait, t'as quoi comme couleur? C'est le tapis, en fait, que tu me demandes. Bien sûr, du tapis. Ah oui, bah du poney, hein. Alors, je vais le prendre jaune pipi, s'il vous plaît. On l'a passé en stock. Attention, je vais crier. Les araignées, non. Je vous le remets, bien évidemment, parce que c'est beaucoup trop drôle. Je hurle exactement de la même manière quand il y a une souris dans mon casier. Alors c'est vrai qu'il y a une très grosse araignée. Alors moi j'ai pas peur des araignées donc voilà, mais c'est un peu Maïtika. Mimi, bouge pas! Mimi, attention! Bouge pas Mimi, attention! Il y a une grosse araignée! C'est vrai qu'elle est très très grosse. Attends, je vais l'enlever. C'est vrai qu'elle est très grosse, hein. Elle est où? Ah mais tout ça c'est des tapis. Ça c'est que tapis mix. Je ferais bien un sondage YouTube mais bon on va pas finir hein, si on attend la réponse. Je sais pas, il y en a un qui m'a un peu moins d'habitude. Je sais, je vais mettre à peu près tous. Ah oui il est beau là. Ça va pas du tout avec mon tapis, je vois. Bah oui mais je suis habillée. Ah marron alors on prend. Ah bah lui alors. Monsieur mais il est rose. Ouais ça me va. Ça te fout. C'est le tapis de Lorraine et blanc. Ah, j'ai quand même une excuse, je fais pas partie du YouTube Poney depuis très très longtemps. Du coup j'ai fait mes devoirs, je te fais un gros gros bisou Lorraine, et merci beaucoup de me suivre d'ailleurs. Y'a aucune culture des poneys. Mais je regarde jamais les... J'ai pas fini ma phrase, mais en fait je vais vous avouer que je regarde les vidéos de absolument personne. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les seules vidéos YouTube que j'ai dû regarder, c'est les Vlogmas 2022 de Jade. Et avant de commencer l'équitation, c'est-à-dire en 2018, j'ai dû regarder peut-être une vidéo de quelques youtubeurs équestres français connus. Genre Coco Cam Jump, So Horsey, Caval Grenat, et j'avais dû regarder quelques vidéos aussi de Amélie Von Ravioli quand elle avait créé Georgette Mag. Et les Cavalières du Dimanche, mais j'aimais moins parce que c'était concours et le concours ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Comme quoi, on peut vite changer d'avis. Ah, et d'ailleurs l'anecdote, et je l'avais dit à Margot, c'est qu'en fait je n'avais pas compris ce que voulaient dire les Cavalières du Dimanche. Moi je pensais que ça voulait dire qu'elles étaient très loisirs, mais je ne comprenais pas pourquoi elles faisaient du concours. Par la suite j'ai compris que les Cavalières du Dimanche c'était les Cavalières de concours quoi. J'adorais regarder ce que les autres font, surtout que maintenant ce sont mes amis pour les trois quarts, mais j'ai juste pas le temps et je suis tellement déjà sur mon téléphone et mon ordinateur à monter des vidéos, à les tourner et tout, que vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est regarder YouTube le samedi soir quoi. Du coup, sachez que je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement touchée lorsque je vois un commentaire d'un autre créateur de contenu. Et simplement juste de regarder mes vidéos, que ce soit les longues ou les courtes, bah, ça veut dire qu'on me porte de l'importance et mon petit cœur, bah, il fait ch'tou boum boum. Ils attendent. Des commères du village, quoi. Ah, mais là, ils sont trop marrants. C'est pas le tapis qu'ils attendent. J'allais dire, il est où Saphir? Mais Saphir est enfermé dans sa petite boîte. Moi aussi, j'aimerais être là. Lui, il aimerait être vraiment plus près. Alors, attends, il faut ça. Il attend gentiment. Donc, ça, si tu veux monter avec des étriers. Donc, du coup, on va prendre un licolé tout droit, hein. Ouais. Déjà dans toutes les couleurs. Oui, on s'en fout. Ouais, tout noir. Bon. Ouais, il faut des rênes, pardon. Effectivement, je veux bien des rennes, effectivement. Bon, le filet, on a dit non, qu'on n'a pas besoin. Je suis excitée. J'ai dit que j'étais excitée. Ça fait genre 2 jours que j'ai pas fait de cheval. Ça fout! Qu'est-ce que tu penses de moi? Non, je vais pas savoir. Ah là là! Au travail, Julien. Non, mais oula. Bah alors. Mais non, mais c'est des couvertures ça de chevaux de pré avec de la... Non mais c'est pas possible. Regarde, elle est plus douée à cheval. On sera là. T'as 4 mains sur toi là. Tout ce qu'il déteste, c'est vrai. On
on a connu plus tactile. Wouh! Je peux faire un petit peu. Bah là, je vais mettre les hippos. Ah oui! Filmons! Elle va mettre les hippos sandales! J'en ai jamais vu, j'en ai jamais mis. Avec explication, s'il vous plaît, mademoiselle. Déjà, j'aimerais savoir à quelle est la gauche et la droite. Ça, c'est gauche. Bah déjà, tu fais comment pour en fait, c'est exactement le même, mais tu sais, elles se prennent le pli, enfin la forme du ah, pied. Ah, c'est exactement le même. Et moi, j'avais ah, fait un petit okay. jet. Justement, si les pieds, okay. tu peux avoir une petite différence de taille. Non, mais tu peux avoir le pied plus rond que l'autre ou des choses comme ça. Ok. Lui, il les a pareil. Hop. Donc, tu mets comme ça. Tu cliques la clope pour le caler. Une fois que c'est calé, tu retournes. Ok. Tu poses et t'attaches. Ok. Et ça coûte combien à peu près des hippos sandales? Je crois que c'est 100 euros une. Mais moi, ah, ça se vend à l'été? Ouais. Ok. Bah oui, tu peux, alors, tu peux pas les vendre par paire parce qu'encore une fois, si t'as pas les mêmes tailles des deux pieds. Alors, dans mon sens comme ça. Je lui mets d'abord comme ça? Ouais. Tu m'as dit, je fais. Ouais, mais faut que tu l'enfonces quand même. Tu tires par où par là ou... Faut que. Non, ouais, comme ça, ça et tu fais clic-clac. Comme ça? Ouais. Une fois que c'est calé, tu. Il pose? Tu retournes? Ah non, d'abord je retourne. Et tu poses. Ensuite, il pose. Et là, je mets au. Ouais. T'as pas trop le choix. J'ai pété ? Non. Alors, je tiens à rectifier. Je sais qu'on a l'impression d'entendre j'ai pété, mais j'ai dit je vais le péter. Non, c'est normal. Et quand voilà. il les a mis la première fois, il a. Enfin, il s'en foutait ? Ouais, y a pas de soucis. Bah, ça le gêne pas. Ça le gêne pas. Par contre, tu peux plus. Peut-être qu'on aurait peut-être dû brosser dans ça. Là, on peut. Mmh. Ouais, peut-être un peu. Là, on. Ça lui passe, il vient d'être paré. Parce que c'est okay. qu'une sur pied paré. Par okay. contre, au bout de 6 semaines. Ouais. Au bout de 6 semaines, ça lui va plus. Parce que ah puis on poussait. Donc ah bah soit, oui. soit tu entretiens hyper régulièrement, mais bon, c'est pas tip top comme le pareur, enfin moi comme okay. mon podologue. Donc j'essaie de lui faire un petit peu, mais à la fin, bah c'est un peu trop petit quoi. Tu lui râpes les pieds de fois okay. Bah je fais un peu d'entretien, je le fais pas. Et c'est Thomas Lachat qui t'a appris à le faire ou... J'avais fait une formation. D'accord. Okay. Sur, c'était sur un jour, je crois. Tu vois, je me sens pas de lui. Enfin, de lui entretenir moi 100%. Tu vois, toutes les 6 semaines, il y a quand même non, le podologue qui vient et qui fait son truc. Et non, puis c'est un métier quoi. Oui, enfin, bah, oui c'est un peu trop long, tu vois. Je lui pas si j'ai besoin de mettre les hippos sandales, mais c'est souvent. Enfin là c'est pour le confort tu vois en soi. Oui c'est pour éviter qu'il y ait des cailloux qui rentrent c'est ça. Bah et qu'il marche sur sol dur parce qu'il a tendance à aller dans l'herbe. Mais même là où du coup il sent rien il va aller dans l'herbe parce que d'accord. je pense l'habitude ou je sais pas. Et t'en as pas non. au postérieur? Non parce qu'il a toujours été ferré des antérieurs. Enfin okay. pendant 10-11 ans il a été ferré des antérieurs. Il a jamais été ferré de derrière. Et du coup c'est un peu plus sensible devant que derrière. D'accord. On va aller Disney. Il s'en fout. Des bisous! Ça veut pas alors, de bisous! Ça c'est l'habitude. Ouais. Bah, on a les chevaux prêts, hein! Tout ça! Ouais. Éponné là! Toi, dans quelques mois, on partira tous ensemble. Déjà, Saphir. Non! Oh non, meuf, t'as pas fait ça! Oh non! Ah si! Tu vas pouvoir. Non, ça glisse! Ah si, ça y est! Je prends toi. Ah la clé. Mon poignet. Ah oui, tu vas apprendre aussi pour que tu fasses attention, tu poses des trucs. Ah tu viendras plus hein. Tu rigoles. Et oui, je sais que tu rigoles. Hein bon après, bon, ça se trouve tu diras pas ça après que j'ai monté sur sa pire. Ah oui, merde, j'ai pas fait les. Ouais. Il y a que deux jambes, tu sais. Mimi, elle fait le travail à moitié. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle. Ah, t'as été perturbée par la magique broche. Ouais. T'es excitée, ça fout? Non. Moi, tout le monde dirait. Ouais, non, moi j'aime trop. Non, mais il va être content d'aller en balade. Hein. Bah, et puis moi, en fait, moi je suis super contente d'aller en balade parce que tu vois, moi, mon lieu de balade, c'est la même balade tout le temps et ça dure pas très longtemps, tu vois. Bon, je pense qu'on va faire la balade où il y a la grande ligne droite de galop. Ouais. Ça va être bien. Hop, ça c'est ok, mais. C'est marrant, ton fourreau, on dirait une vulve. Mais tu peux éviter de parler mal de mon cheval là. C'est pas vrai, t'as un beau zizi. Mais en vrai, pourquoi vous mettez pas une planche là? Parce qu'il y a que toi qui fais ça. Salut Mirabelle et gosses, nous on part en balade. Bah attends, pour tout l'immobilier comme d'hab. Moi, prends-moi dans ton équipe. Il est où d'ailleurs? Il est juste derrière, il arrive. Oh, c'était un vent de qualité. Bah déjà tu lui mets la longe sur mon couloir parce que le roi est tout seul. Voilà. Ouais, tu l'accompagner un peu. Allez. Allez. Par contre si tu veux pas lui...
Il m'a pété un peu là. Normalement moi je l'attache jamais, mais okay. Il va y avoir une hiver. Ah, et à deux, ils sont des bisous. Ils sont BBF, mais ils sont insupportables. Tiens, mais tiens, c'est qui voilà l'arche. Mais attaché. Ah oui, t'as une petite lange dans le camion. Oui, bien sûr. J'espère qu'elle a repris un tapis. Alors je vais me prendre un tapis parce que la dernière fois, je suis allée monter uni et avec un tapis de dressage. Oui, bah attends, t'as pas rigolé là sur le tapis là? Bah, il est trop beau. Ah non, mais il est trop beau. Enfin, c'est. Ouais, c'est pas mon délire, mais. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur la caméra, il rend pas du tout pareil qu'en vrai. Ah bah là, il brille de mille. Ah non, mais. Ça va, ça filme? Ouais? Ok. Et puis, il est de l'autre côté. Du coup, c'est là où tu fais tes cours ou pas? Là, c'est là où je saute. Là, tu sautes ici. Ah, là, je fais les cours de plat, pas que de dressage. D'accord, ok. On va chercher une. Kiki. Ah, il a fait son petit caca. Oui, toujours. C'est bien. C'est bizarre. Ah mon petit. C'est dur de t'avoir à l'écran. Et tu vois, j'étais comme ça, regarde. Je filmais comme ça et je me suis pas. Je me suis dit, merde, elle est où Jade? Je suis juste là. Ça. Oh, il dort. Oh, Kiki. Oh. Pardon, Mimi, faut se réveiller. Je suis désolée. Oh, je suis vraiment pas une sympa. C'est un peu un corps, genre, les siestes et tout, c'est son truc. Il est beau, hein, très beau. Ah oui, il est très mignon. Hein. Beau petit bec. Hiver, Julien, Julien, hiver, donc on est d'accord que t'as dormi. C'est bon, du coup, tu vas pas me secouer dans tous les sens. On est d'accord. Par contre, une hiver, est-ce qu'on peut parler de ça là? Et il dormait quand on est arrivé. Du coup, elle est en train de nous le réveiller à coups de naso dans le nez. C'est bien ça, hein? Ouais. Ouh, j'ai eu peur. Je ne voyais pas de sangle. Bah c'est un sang ma fille hein. Oui, surtout avec on va voir si c'est un bon équilibre là. Surtout avec l'hiver, bah tu verras que si me secoue j'ai déjà un bon équilibre. Attends, j'ai besoin de ça, soit un filet. Oh, t'es sûr? Oui. Merci. Ah, mon airbag. Pardon Nini, mais bon voilà. On se souvient de la dernière fois. Et c'est comme ça que Jade disparut dans la malle pour toujours. Fin de la vidéo. Mais non, je rigole. Vous avez fait une soirée hier soir ou quoi? Ah ouais. Ah putain, t'as pas bon de bouffer, oui, tu t'as. Ah, bah ça, c'est les chevaux pas éduqués, hein. Ah, lui, c'est un émeraude. Elle va te lécher les babines. Oh, oh mais non, attention, on doit. On fait pas la différence entre un doigt et une pomme. Et voilà. Bonjour. Putain, hé hey. C'est musclé par ici, hein. Je pense que Univers, il va à la salle, hein. Non, mais regardez-moi ce fessier développé. Ce fessier intersillon. Non, c'est pas du tout ça, mais. Oh, écoute pas Lily, elle dit des bêtises. Regarde, il est marqué là. Ah oui. Parce qu'il est amoureux de Saphir. C'est vrai? Ouais. Trop mignon. Ah oui, je comprends Saphir. Tu sais, c'est difficile d'être avec des chevaux qui n'ont pas le même comportement. Ah bah oui, parce qu'en fait, moi je suis habituée du comportement de Goldy, donc du coup je considère que tous les chevaux sont pareils. Oui, ouais. Non, non, lui il est un peu ouf avec elle. Bien sûr qu'on va pas vous laisser là, enfin, on vous emmène avec nous. T'inquiète pas, Oreo. T'inquiète pas, Oreo. On y va, Coco. On est ready. Alors, c'est tombé. One more flight, one more sunset and dawn. Yes, it takes time. And we dance to the downfall. Happy highs, happy running low. Yes, we dance to the downfall. Juggle, juggle. Lose your disguise, jump on board. Les étrières, ce sera mieux, non? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, les étrières.
prouvé que moi j'avais mon galon 7 hein. Ah oui, bah, je n'en doute pas de toute façon. Comment on fait pour monter dessus? Bah attends, déjà il faut des protèques. Oui, d'abord, oui. Et après là-bas il y a un arbre. D'accord, ok. Bon après je me dis que. Non, mais t'inquiète, c'est un arbre. Ouais, non, un peu d'amis ouais. Comme ça dessus. Bah en fait c'est surtout quand. Oh, il fait la sieste, tiens. C'est surtout en plus les chevaux que je connais pas. Moi j'ai un peu de. Non, il m'est jamais rien arrivé c'est à, quand je monte, mais j'ai déjà vu des gens leur arriver des couilles et ça m'angoisse un peu. Ah. Où tu viens faire un câlin? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, celle-là, je l'avais jamais vue. Par contre, j'ai une copine. Elle avait speedé pour aller à l'ascenseau de saut et en fait, sans faire exprès, elle a mis une des rondelles dans la bouche de son cheval, elle l'a pas capté. Ah bon? Et il était super détendu. Enfin, elle l'a vu au bout de 5 minutes, tu vois. Ouais. Mais quand elle est montée dessus, elle s'est dit putain, il est super détendu et tout, c'est chelou. Le mec, il avait du camouflage. Ouais, c'est ça. Je suis une gomme. Sa foi, son licol, sa petite selle, j'ai ma petite bombe, ma petite Jade, elle est derrière. Et c'est parti, les gars, c'est parti. Il y a déjà petit Oreo qui est là tout là-bas, qui nous montre le chemin. Et je monte sur le tronc et après on saute par-dessus la barrière, c'est ça? T'es d'accord, ça fout? Perfect. Je viens de poser mon doux fessier sur Saphir, je peux déjà faire mes commentaires. Je sais exactement déjà quel galop il aura. Parce que c'est marrant parce qu'il n'est pas si grand que ça. Et j'ai l'impression d'être sur un très grand cheval. Je fais rien du tout, je le suis juste et il évite même les branches. Je le laisse choisir où il veut aller. Je l'écoute. Quand tu m'as dit de le monter comme ça, alors je monte comme ça. Hein. Y a rien à faire. Un vrai cheval de balade quoi. Un vrai chien de balade aussi. Oreo. Il reste avec son BFF. Ouais, chose c'est vraiment ça. Ah, le petit crottin de la détente pour galoper plus vite au cas où s'il y a un danger. Ah, faut qu'on ralentisse, c'est limité à 50. Hein. Ouais. Tu sais quoi, j'ai l'impression de revivre mon insouciance de ma première balade à cheval. Le ou qu'il y a là. Ya. Yeah. Mais carrément, je le laisse faire aussi. Oui. Je dois me mettre en équilibre. Ah oui, il préfère même. Ok. Ah mon dieu, c'est incroyable, Jad. On les étoffe pour le grand galop. Grave. Et après, si t'as un peu peur au grand galop, tu t'accroches à la crinière. Tu sais jamais comment ça part. Je sais pas si vous rendrez le niveau de confiance que j'ai en Saphir là. Attends, on va repasser au pas avant de partir sur le galop. Ça va les mignes? Sauf qu'il a jamais fait cette balade. Il hiverne. Mais bon, la ligne droite. On y va? On commence petit galop et on accélère après?
changement de couleur là. Ah là, changement de couleur, il va aller à gauche. Allez. Hop. Ah ouais, bah sur le trottoir bientôt. Il y a des gens. Très bien Nini, c'était bien? Ça va? C'était incroyable! Je suis trop déçue de ne pas avoir filmé, mais genre, je suis jamais allée si vite de ma vie! À cheval! Bonjour! C'était incroyable, Jade! Genre, vraiment, j'avais l'impression de lâcher prise sur tout! Tu sais? Mais les grands galops, c'est génial! Non, mais j'ai jamais eu un galop comme ça! Mais c'est impossible de s'asseoir là-dessus! Oui, il faut rester en équilibre. Pour eux, hein. Oh putain. Et pas une seule seconde, j'ai eu peur. Rien. C'est juste quand tu m'as dit attention, il va à la gauche, j'ai pas compris au début ce que tu me disais. Il est sensible aux couleurs, etc. Ok. Et ça, il peut un peu. C'était un peu pour les ok. C'est bien. Oreo. On l'a semé. Ah non mais c'était ouf. Ah c'est trop bien les gangalons. Impossible de faire ça dans une carrière. Putain. Par contre c'était très stable. Genre c'était très facile de rester en équilibre. Par contre c'est épuisant. Ouais, je pensais pas que c'était aussi fatigant. Donc big up à tous les jockeys du monde. Là tu en es soufflé. Ouais, non mais de ouf. Alors que moi j'ai rien fait, hein. J'ai laissé faire le poney quoi. Genre vraiment. Ton poney est parfaitement dressé. Vraiment, tu peux vraiment te fier de ton travail, Jade. J'étais encore bête, j'arrive à le ravoir, je le retage au petit galop. Non, mais tu m'as dit peut-être qu'il serait un peu dur à ralentir, mais pas, il est revenu tout de suite quand tu t'es arrêté, toi et tout. Tu peux avoir peut-être un besoin de lui faire arriver à haut. Bah, j'ai serré à peine les doigts qu'il a ralenti, mais parce que tu ralentissais aussi, je pense. Mais même après, il écoute beaucoup la voix aussi. Ouais. Puis moi, j'essaye de beaucoup fonctionner à la voix pour les arrêts. Et effectivement, j'étais un peu chaud là. Ouh. Les triangles, les free jump, j'avais l'impression d'être dans des chaussons, tu sais, genre c'était large et tout agréable. Mais là, les flexons, je trouve. Je comprends pas le prix là, vraiment. J'ai l'impression d'être même limite sur les étriers de centre casse, les alus avec le plancher blanc là. Bah, pause caca. C'est marrant de te voir sur un cheval un peu fougueux, tu sais, parce que j'ai tellement l'habitude de te voir sur ton poney bien éduqué. On va peut-être passer à côté des branches. C'est un amour. Après, ça reste toujours inquiétant parce que tu sais pas qui y a. Et tu sais pas si des gens le font. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc ça m'inquiéterait à ta place, quoi. Après, est-ce qu'il partirait? Oui, voilà, après, est-ce qu'il se laisserait approcher? Je suis pas sûre. Par contre, on va avoir encore une fois, on va avoir envie de l'approcher. Oui. Parce
Oui, parce que il fait pas petit toutou tout mignon tout gentil hein. Oh putain, il m'a décoiffé Saphir. Attends, il m'a pas arraché les cheveux lui. Ça devait être filmé, mais malheureusement, vu que la cambox c'est de la et ben Jade n'avait plus de batterie à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a sauté un petit tronc, et vu que je ne connais pas Saphiro trop, ben Jade m'a dit de m'accrocher au crin. Sauf que j'étais un petit peu stressée, du coup je me suis vraiment accrochée au crin. Et j'étais tellement accrochée au crin que je lui ai retiré une touffe. Mais le pauvre doudou, c'est un poney ton cheval. Et voilà, allez. C'est bien. Non mais Goldie, elle est pareille, elle a trop l'habitude. Bon, il a été relativement sage, Uni, quand même. Il y avait une bonne vibe, c'est tout. Ouais, après Goldie, elle a pas de force, hein. Elle est agile, mais elle a pas de force. Tout en douceur. Moi Goldie, si je la laisse galoper sans rien devant, elle tombe un peu, tu vois. Bah lui il plonge hein. Oui voilà. J'avais beaucoup de poids. Ouais. Elle plonge puis elle a tendance un petit peu à trébucher de temps en temps, du coup ça peut être dangereux pour elle et pour moi quoi. Ouais. C'était trop bien. C'était incroyable. J'ai dansé la Macarena à cheval les gars. Genre c'était incroyable. Non mais c'est Safo qui veut voir. Salut Auréo. Ça va Pepper, tu nous as pas trop manqué? Grave, il s'est dit oh, putain. C'est pas la bonne. Je suis amoureuse. Le champion de France mérite largement sa première place. Dommage qu'il n'y a pas un trophée pour, je sais pas, les meilleurs amis poney, je sais pas comment dire ça, genre. Merci beaucoup Jade pour cette merveilleuse balade. Ouais, vraiment, non, vraiment, je trouve que... Oui, mais j'ai énormément de chance quand même, je trouve, de l'avoir monté, quoi. Je le prête pas à tout le monde. Oui, oui. Il y a beaucoup de monde qui le monte. Oui, non, mais vraiment, bref, tu vas me dire aussi que je pleure tout le temps, enfin bon, comme toi. Mais j'ai envie de pleurer parce qu'en fait, ça me met beaucoup d'émotions, en fait, parce que j'avais vraiment totalement confiance, en fait. Donc du coup, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est... Enfin, oui. Quand tu montes des chevaux, tu sais, la première fois, normalement, t'as un peu d'appréhension. Vu que tu m'as mis dans de bonnes conditions, moi, j'avais pas peur du tout. Et moi, en fait, je fais confiance aux gens, tu vois, quand ils me disent « N'aie pas peur, j'ai pas peur ». Ouais, sauf quand c'est mon coach qui me le dit. Ouais, genre de galoper autant à fond, de pas avoir peur, de pouvoir genre... Ouais, tu vois, voilà, genre c'est vraiment, c'est super touchant en fait au niveau des chevaux, tu vois, de l'animal et tout. Quand moi je galope à fond, je me fais comme ça, le sourire projet, tu vois. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais, ça. Genre c'est trop, vraiment, trop touchant. Enfin, j'aime encore plus les chevaux maintenant. On va desseller les chevaux, on va leur faire plein de bisous. Mais je mange pas tout court du fast food en fait. La pub avait proposé du McDo. Elle a dit non. Non, elle a pas dit non. C'est pas ce que t'as dit. Non, j'ai dit je préfère. Si j'aime pas le fast food, je mange pas de fast food. Mais si mais je fais un effort, c'est un problème. Mais si je dois choisir le fast food, ce sera Burger King. Alors que nous, c'est notre QG. Ça y est, salade. Tu prends une salade au McDo? Non, eat salade. Ah. Mais tu dis ça, t'es en train de bouffer des bonbons. J'étais sûre qu'elle aime bien ça. Trop bien. Oui. Attention. Merci. Voilà. Pour info, si vous voulez acheter un cadeau à Jade, celui qu'elle préfère, c'est les bleus et roses. Voilà. Mais à la fois, je préfère quand même le coca chéri. Ouais, je suis d'accord. Le coca chéri, c'est la vie. C'est la vie. Mais ça existe, les petits bonbons coca chéri maintenant. Mais ça coûte une fortune. Quoi? Tu m'as pas acheté ça? Tu m'as acheté la pomme? J'ai regardé. Parce que moi, les trucs à la cerise, j'adore. Et j'ai regardé s'il y avait les cerises, il n'y avait pas les cerises, et j'ai regardé s'il y avait les coca chéri, il n'y avait pas. Mais c'est un tout petit paquet et c'est super cher. Bah, je suis con parce qu'il y en avait à Strasbourg, je t'en ai ramené. Bon, on peut plus, hein. I am dead. Attends, mais j'en ai besoin. Pardon. C'est moi qui aime le fait. Genre... En fait, tu sais, quand t'as le vent, tu n'as pas le rétro en haut. Ah, ouais. Donc, ah, bah oui. Et j'ai besoin des rétros des côtés. Y'a clou. Ça fout, on arrive.
Non, je comprends pas. Si, comme ça. Comme ça et tu lèves. Je lève ? Tu non. Cliques ? Oui, et tu lèves. Ah oui, comme ça. Wouh ! J'ai failli tomber. Faut d'abord le détacher, non ? Non, je sais pas. Merci, Jade. Ça porte chance, ouais. Ah, il est pas attaché, lui. Ah oui, c'est vrai. Il y a toute la petite famille. Allez. Oh, allez, toi. Toi, allez, bébé. Oh. Oui, Glu, t'es trop chou. Je vais brouter, mais tu vas retourner dans ton pré, mon gars. Je vais le mettre dans le carré, là. T'es trop mignon. Tu veux ressortir avec moi? Je te présente pour ça. Je te présente pour ça. Tu risques de te faire chier à Strasbourg avec nous. Je pense que tu vas donc lui, il vit dehors tout le temps. Dedans, on aurait besoin d'Italie, mais par contre, il est... Enfin... Fait ça, manger, effectivement, là. Peut-être ranger les affaires quand même. Oui, Quantum, t'es... t'es beau, mais t'es collant. Ah oui, oui, c'est débile. Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Des granulos sport, enfin, floconos avec ton sport. Avec ton... Pour s'affirmer, l'autre est dans ton appel dans la poubelle. Non, l'autre, c'est ton commis. Le commis, il aimerait bien participer aux tâches de cuisine. Et pour Quantum, c'est de la fibre. C'est de la fibre. Et pour les autres, c'est du loisir. C'est de l'air. Ils en ont un petit peu quand même. Donc ça, c'est pour sa cour et forcément deux pommes parce qu'il a travaillé et une carotte. Oui, c'est vrai. Quantum, il aura une carotte une pomme parce qu'il a rien fait. Évidemment, toute la familia est là à nous regarder. Hein, je suis trop sérieux, Saphir, c'est bon. C'est trop drôle. Oui. Ça, c'est Saphir, c'est l'autre qui est fermé. Ok. Non, m'agressez pas. Non, 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 laissez-moi. Non. Oh, ah ben il est fermé. Non. Ah. C'est bon. Ça fout à table. Non, il peut pas passer. Je sais. C'est horrible. Mais non. Non, il s'en ah oui, parfait. Pas de mais je pensais que t'en avais. Attends, ça c'est qui t'as dit? Quantum. Quantum. Viens, bébé. Oh, il y a Glu. T'es bien, bébé. Ça fout à table. On va l'ouvrir. Là, il va être vénère. Tu vas être vénère? Non, non. Non, c'est lui qui mange en train de. Laura, t'es mignonne, mais tu vas rien faire avec cette brosse. Effectivement, je ne fais rien du tout avec cette brosse. Rien du tout. Cet outil semble mieux. Ouais. Ah, parce que c'est bien d'avoir une boule. Ça part pas très bien. Hein. Il a un tout petit zizi, ton cheval. T'as un petit zizi d'humain. C'est pas la taille. Oui, c'est vrai qu'il était bien balade, mais... Ça peut pas être bon dans tous les domaines. Bon, t'as fini. C'est pour ça que je prépare les vivants. Oh, je vais aller ça. Non, oui, désolé. Trop cute. Oui. La bisou. Non, je crois pas, mais ah oh, oui. Je sais pas viser, c'est fou. Là, bim. La boule la paume, la gueuse. Ah, mon merde. Oui. Ça c'est bon. Mmh. Oh, c'est super. Ouais, demain on viendra le matin. Ouais, bonne idée. Si on arrive à se lever, bah oui, mais si tu dois finir ta vidéo et que on travaille cette nuit. Elle m'a fait écouter une musique que je ne connais pas du tout. Oui, mais... les années 90. Non, je connais pas. Je connais rap, très... mais si. NTM, très bien, mais ça, non. Ah, c'était si. Je me suis pris Oreo. Je suis très fatiguée. Je ne pensais pas que ça serait aussi épuisant de faire une grosse balade. En plus, on n'est pas allé très très loin. On a quand même fait beaucoup de vélo, de trot et de tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai été servie en galop et en trot. C'est vrai. C'est on vrai a pas que... fait une balade de pas. Ouais, ça, on n'a pas fait une balade de pas. Du
coup, on va se pimper. Je vais faire une micro sieste de 5 minutes. Et on va retrouver Capucine et on va aller manger au fast-food. Oh, il y a un avion. Voilà, du coup, bah, on va aller manger au fast-food. Oh, cache ta joie. C'est bon, tu fais toujours le tour de la voiture. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai toujours envie de conduire. Pop, 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 pop. C'est ça, les styles. Abonchez les papales. Abonchez-moi, c'est loupé. Attends. Pop, 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 la Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. On le dégré, ça, on va le bébé. Ah, putain, faut qu'on écoute les paroles. Saint-Denis style. On a pas trop de place ici, bad. Attends, parce que là. Allez, là, la famille. Ah oui, évite d'écraser les gens, s'il te plaît. Sortez-moi cette personne. Ah, bah non, je peux toujours pas sortir. Mais je peux pas, du coup. J'ai fait tomber le téléphone. C'est pas vrai. Ah bah y'a plus de Jade. Oui, en fait la poignée de Jade est toujours cassée. Donc moi j'attends toujours qu'elle vienne m'ouvrir. Elle vient pas m'ouvrir. Elle vient pas. J'étais pas hyper à l'aise de balancer ma caméra dans la tête de Capucine, sachant que je ne la connaissais pas du tout. Donc je n'ai pas filmé. Et le plus drôle, c'est que du coup je les ai embêtés à venir dans un Burger King pour que je prenne un wrap chèvre. Ah, attends, faut prendre les badges. Ah oui. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a la tête ici. Merci. Vas-y, adouve moi. Tu as accrédité. Tu as accrédité. On arrive au jumping. Je sais pas où est Capucin et. Capucin. C'est trop marrant, Capucin. Je vais l'appeler comme ça aussi. C'est trop marrant. Trois et. Attends, on fait tous le même truc. Il y en a qui travaillent. Hein. Pendant que d'autres. Travaillent pas. Je te mettrai une petite musique. Exactement. Jeanne me force à acheter un truc depuis le début du salon. Elle aurait du coup, j'ai acheté. Un mort, voilà, j'ai acheté un mort. T'es fière de moi ou pas? Bah, tu me diras si Goldy était bien. Ouais. Bah, alors maintenant on va charger de Capucine. Parce que. Ça va, 50 euros. Tu vois, on. Ah oui, ça, ouais, moi ça me choque plus, j'ai mis déjà 100 euros. C'est un mort Sweet Iron, mais, parce que Monty Robert, il recommande toi. Voilà. Et d'ailleurs, je le trouve plutôt bien, c'est celui que j'ai gardé pour Monty Goldy. Le gars m'a dit que le bleu allait changer de couleur avec la salive du cheval, mais je vous avoue que j'ai plutôt l'impression qu'il est parti avec la salive plutôt. Parce qu'il devient de plus en plus couleur aluminium, alors qu'il me semble qu'il devait devenir noir. Une à 850 000 marche prime, si tu veux. Marche prime, c'est où marche prime? Marche prime, c'est entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux. Comme ça, on pourrait celle-là, ça doit partager. Un petit paddock dans la taille, ça te fait. Et moi, je déménage et on fait ça à 3. Oui, voilà, je déménage et on fait ça à 3, Jade. Mais par contre, on n'aime pas trop les juments. Oui, on sait pas comment ils sont. Alors que Bali et Saphir, c'est un peu cœur love les deux. Hein. C'est Goldie à la mode, ils sont en train. Ah, c'est vrai. Bah, le snobé. Ouais, le snobé. Que Saphir et Bali sont très amoureux. C'est pas cher, ça. Ah non, c'est pas cher. Bah oui. La Capucine, elle prend vraiment les bordeaux là. Ah ouais. Elle a jamais rien acheté, c'est la chute. Elle a acheté une maison. Moi, la dernière fois que je suis venue, j'ai acheté un vent. Toi, ça va être la maison. Ah non, mais c'est incroyable. Là, elle nous bat à plat de couture. Ah ouais. Moi, je vais rendre quel Jade. Si, mais celui-là, il me va. Tous les jours, il apparaît en story. Tous les jours, il apparaît en photo. C'est ça. Aucun problème. Aucun problème. Sur toutes les vidéos YouTube. On veut bien se faire sponsoriser par un petit camion là, ça nous dirait bien. On dit pas non. La blanche là pour notre mariage. Alors moi je veux pas me marier. Mais on va tellement bien ensemble. Pardon, je m'en fais de ce. On a le même nettoyant pour la peau. T'as fait tomber son truc où il y a les produits de douche. Mais bravo. On est en train de faire un repérage pour savoir où est-ce qu'on fait le meet-up de demain parce qu'on ne sait pas si on n'est pas avec un stand, on n'est pas avec une marque. Donc du coup on cherche où est-ce qu'on peut se mettre. Bon, ça serait là qu'on ferait notre meet-up. Parce que c'est à côté de la carrière et il y a de l'espace. On a trouvé notre lieu pour faire le meet-up demain. On sera au numéro. Il est où? Il est où? 19. Et c'est à l'envers. Brasserie basque, mais c'est pas grave, ils savent lire. Donc on vous retrouve demain à 15h30 pour le meet-up. À demain! Non mais la céleri de malade quoi. Non mais c'est trop pratique en fait. Parce que le problème des céleri des vents, c'est que c'est pas pratique. Ça c'est stylé. Oh putain. Ça c'est vraiment cool. Où est-ce qu'on met le matelas là-dedans? Il y en a où tu peux dormir dedans. Toi tu dors un petit. Mais tu te mets dans cette position. Moi je rentre pas, mais toi. Je pense que ça passe. Mais par contre, ça c'est la grosse merde. Ça c'est la grosse merde. Ouais, ça c'est la grosse merde. Bah, c'est censé être un ramasse pendant. On est censé aller au derby, mais on attend Capucine. Enfin non. On attend Capucine à aller aux toilettes. Pardon. Ils sont en train d'installer la piste du derby et nous on va aller tout là-haut. Quand elle veut. Derby, tu peux m'expliquer ce que c'est parce qu'en fait c'est un mélange de dubstep.
d'obstacles fixes et de barres d'obstacles. Tu vois, là-bas, t'as à gauche, t'as un obstacle vertical. Voilà, vertical. Et en fait, t'as un temps idéal. Il faut te rapprocher de ce temps idéal et faire le moins de fautes possible. D'accord. Mais du coup, ça, c'est une première piste. Ils passent dans l'anneau, ils sortent. Ouais, et après, tu regarderas dans les écrans et ils accèdent au paddock là-bas. Et là-bas, je crois que t'as plus d'obstacles qui tombent, en fait, de Verso, d'Auxerre, d'obstacles de CSO finalement. Okay. Et ouais, le but, c'est d'aller vite. Tu vas voir, ils vont aller très très vite. Ils en démontrent aussi ? Non, ils ont pas. Oui, si, je pense qu'ils en démontrent. Okay. Ils en démontrent, mais je pense que là, sur un petit terrain comme ça, ils n'ont pas le temps de la regarder. D'accord, ok, ok. Voilà. Ils doivent cavaler, c'est tout. Okay. Ouais, t'as des gros directionnels quand même. Bah, moi, le triangle, il m'impressionne de ouf. Ah, devant là, la pointe ? Ouais. Alors, la pointe, c'est comment il la saute ? Bah, comme ça, non ? Ouais, tu vois les deux fanions. Les couleurs françaises, il n'y a que ça, les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine pour mettre du Pays Basque avec son bandeau noir. Mon Dieu, mais il y a de l'ambiance, dis donc. Ouais. C'est ouf. François, attention.
Il y a Fabrice Sainte-Marie qui a oublié son parcours. Et ça me console vachement. En vrai, c'est incomparable. En CSO, on saute jusqu'à 12 obstacles. Je ne sais pas combien il y avait d'obstacles, mais c'était impressionnant. Sans mieux d'oublier mon parcours 17 fois en concours. Ah oui, ton numéro 10, oui. Qui vient de, je sais même pas comment le dire en fait, il vient de se prendre un obstacle et il a trébuché, en fait, le cavalier est tombé. Il a sauté, il a réceptionné sur le contrôle, enfin un antérieur sur le contrôle. Et du coup, regarde. Ah, c'est l'autre. Ah oui, pardon. Et du coup, bah en fait, il boitait le cheval. Donc du coup, on a les deux envie de pleurer parce que là, on vient de se prendre une claque en mode on est trop contents de cette épreuve. Oui, alors et en fait, ça nous a tous rappelé à quel point c'est super dangereux. Thank you.
Derby, incroyable. Par contre, les chutes, c'est horrible. Ouais, les chutes, bah, c'est le problème du cross. C'est dangereux. Ouais. C'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en général, il n'y a pas de catégorie, mais les femmes, elles font un peu plus attention parce que, les enfants et tout ça, quoi. Ils sont moins casse-cou que les mecs, en général. Mais ça fait peur. Et les combinaisons étaient vraiment absolument hallucinantes. C'était une technicité de dingue. Sauter des coins. Alors, par contre, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo parce que j'ai jamais vu autant de fans voler. Fagnon. Ah, il y a un i. Oui, Fagnon. Je crois que c'était Fagnon. Mais non, les Fagnons, c'est les poils des chevaux. Ah oui, t'as tout le boulet. Ah, bah toi aussi, voilà, tu mets merci. Il est tard, ouais. C'est parce que j'ai trop bu de Perrier, c'est pour ça. Coupé. Oui, Capucin est bien en train de se gratter le menton. Un truc qu'il faut donner en conseil aux abonnés, c'est de apprendre la Marseillaise avant de faire la mode. Touche-moi le boobs. De connaître la Marseillaise avant. Parce que si tu es classé, tu es dans la merde. Et si tu gagnes comme moi. Et si t'es troisième comme moi. Je crois que. Ouais, il y a un daron du public juste en dessous de nous qui s'est retourné et qui nous a dit qu'on faisait vraiment, vraiment trop poé. Ce qui était le cas, effectivement. Mais. Et en plus, les copains ne seront plus là, donc ça peut être un petit peu particulier, ça peut être un peu rock'n'roll. On dirait une secte. Oui, c'est vrai, c'est un peu sectaire, c'est comme champion. Comme. Parfois, le cheval est plus. Comme Capucin. Comme Capucin. Elles sont graves, je ne les connais pas. Qu'on se croirait à Strasbourg. Ah, mais tu parles ? Ouais, Strasbourg en journée. J'arrive même pas à tenir mon trépied. Genre, je trempe mon trépied, quoi. Moi, je tiens à dire que je ne suis pas du tout émue quand les chevaux partent. Mais moi, j'ai chialé. Mais non, mais c'est... en fait, moi, je suis pas attends, du tout. Attends, Capucin, elle était émue. Non, mais en fait, je suis pas du tout attachée. En oui, fait. Parce que tu l'as pas connue. Oui, c'est vrai, Capucin a raison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien regarder l'équitation de haut niveau. Mais c'est pas du tout mon rêve d'en faire partie. Donc je suis pas émue en fait, je suis plutôt très 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 contente que ce cheval parte enfin à la retraite. J'en sais enfin, mais c'est dur de cadrer aussi des grands, des petits. Du coup c'est bon. Voilà, mais on va tous se mettre. Attends, comment, comme ça, voilà. On est tous à la hauteur de Jacques. Lucas, viens, parce que toi t'as pas à te baisser. Bon bah adieu. Attention, horrible, adieu. Bah quoi, je dis tout le temps ça, moi. Au revoir. Au revoir, adieu, mais c'est pareil. Elle vient du Nord, elle fait des trucs bizarres. Non, bah oui, toi, je parle de Kiki. Je dis adieu, les gens ils me regardent. Bah oui, adieu, c'est violent. Ils ont l'habitude, mais... Bah adieu punch, bon, bah, tu vois, mais... Adieu, bonne soirée. À demain. Bon montage. Bisous. Ouais, ça va être une bonne nuit. J'arrive pas à tenir mon trépied droit tellement j'ai froid. Et ça a gelé quand on y arrive. Je n'arrive pas à tenir mon trépied droit tellement j'ai froid. Ça a gelé. Qu'elle s'est gelée intérieure aussi. Mais ah franchement, il fait si beau, moi je pourrais mettre en t-shirt. Tu l'enchines. Non, mais je pense que c'est sa voiture. Mais oui. Et ben, c'est normal, c'est grave. Toi, tu crois que. Tu m'avais pas dit qu'il faisait chaud ici. Tu crois que je vais faire quoi? Elle est où la voiture? Tu vas. Bah, elle est là, elle est devant toi. Bah, viens, on y va. Je vais être pas gratter, hein. Ah non, non, moi je te regarde. Non, mais moi, regarde, elle est tellement bien qu'elle va geler. Wow, j'ai le cul froid, par contre. On m'avait dit que ça serait facile. Oui, la journée, il fait beau. Le problème, c'est le sourire. Et regarde, est-ce que ça a gelé? J'ai l'impression. Il y a beau avoir deux petites fissures là, ou trois même. Attends, peut-être pas montrer que t'as le pare-brise. Bah, pas... Tu roules avec, non? Alors, c'est dangereux, oui, c'est interdit par la loi, non? Bah non, j'ai pas le choix, surtout. Comment tu veux? J'ai le rendez-vous la semaine prochaine. D'accord. Bah oui. Écoute, vu comme t'es une femme indépendante, Jade, ça m'étonnerait pas que t'arrives à le changer toi-même avec sa fille. Non, parce que alors, peut-être que je suis très indépendante pour beaucoup de choses, mais alors, juste déjà pour mettre un clou dans un mur, c'est compliqué. Ah bah, appelle-moi, moi ça je sais le et faire. Pour monter des meubles, je déteste ça. Alors, je sais même utiliser une perceuse à percussion. Bah, moi, pas du tout, moi je ne sais rien faire. Je te montrerai moi. D'où la barre de douche accrochée. Mais alors, elle va très bien, sauf quand tu es là en fait. Allez, vas-y, je suis gentille ce soir. Pour que je... Attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on le voit là? On le voit ou pas? Sur mon pas, il est couché comme mais une lit. Mais Bibi, il faut regarde, que tu... il est couché comme une lit. Mais il faut, ok. Allez, 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 allez. Mais Bibi, alors, mais j'aime pousse pas avec ses... Mais pousse
que vous avez passé une trop bonne balade avec nous. Nous, on s'est trop amusés. Moi, et toi tous. Et toi, oui, lui, c'est un peu fait chier, mais j'ai eu trop d'émotions pour cette balade. C'était trop chouette. Et puis, bah, on se retrouve demain pour le prochain jour du jumping débordé. A plus, bonne nuit. Bisous.